faisant mes études en menuiserie aluminium, j'ai découvert la miroiterie. J'aime bien travailler le verre, donc c'est pour ça que je me suis engagé. Pour l'expérience aussi, et pour me tester aussi, pour savoir ce que je vaux. Ils ont une lampe à réaliser. Ce qui est complexe dans ce sujet, c'est principalement tout ce qui est la découpe de verre de différentes épaisseurs et tout ce qui est en forme, arrondi, les formes convexes, concaves. Le sujet est quand même esthétique, mais assez technique à réaliser. C'est vrai qu'il y a de la découpe en forme, du façonnage, des perçages, du sablage. Après tout ça, avec du collage au UV pour assembler, c'est vraiment complet. J'ai décidé de m'engager dans les World Skills parce que j'adore ça, de faire du verre. Dans le diplôme, pour faire de l'aluminium, il y a du verre. Et du coup, pendant le diplôme, on est obligé de faire du verre. Et ça fait toujours plaisir de voir un travail fini et puis que ça rend super joli et puis ça donne envie d'en faire d'autres. On travaille un produit fini, donc qui n'accepte aucune casse. Les World Skills, pour l'avoir moins vécu par le passé, c'est du niveau des Jeux Olympiques. C'est-à-dire que nous avons, nous, derrière, le Usain Bolt de la miroiterie qui va en sortir. Donc ça s'inscrit pleinement dans leur cursus. Ça va être une ligne dans leur CV qui va leur ouvrir toutes les portes. Ça va également être une fierté pour eux d'avoir passé cette épreuve-là, d'aller éventuellement pour un d'ici au national, et voire même à l'international. Et c'est vraiment la plus belle carte de visite qu'ils auront et une expérience personnelle très forte. Cette pièce-là est beaucoup plus dure qu'un examen ordinaire. Pour moi, c'est le plus stressant, le fait de coller le verre à la fin. Quoi. Il suffit que c'est mal collé, la pièce peut vite casser, donc il faut faire très gaffe. C'est pas que quelques champions qu'on va mettre en évidence. Quand il y a un gars qui fait la compétition des World Skills dans une section d'une école ou d'un CFA, c'est toute sa section qui l'embarque parce qu'il donne envie aux autres de faire ce métier. Les World Skills, c'est de l'émotion, car c'est des jeunes qui ont une telle passion de leur métier, qui nous transmettent ça. Et nous, pour nous, chefs d'entreprise, on est heureux, parce que je pense qu'on a eu le rôle aussi d'avoir su transmettre notre savoir. Et la chance qu'on a dans nos métiers, c'est que plus on avance, plus on progresse. Et plus on progresse, plus on peut transmettre. Donc, vous êtes 9 candidats à avoir relevé le défi. Troisième, une médaille de bronze pour Gaussou. Deuxième, Raphaël Massot. Bien sûr, comme dans chaque concours, il faut élire un vainqueur. Donc c'est Lilian Vallet.